Cette semaine du théâtre amateur, elle se veut une rencontre de différents dispositifs que nous avons déjà mis en place les années précédentes, à savoir la réunion ici de spectacles présentés dans leur intégralité, ce qu'on a pu connaître à l'époque du Festival des Arlequins. Et cette invitation s'adresse à l'ensemble des compagnies qui résident sur le territoire national, mais aussi pour les troupes qui le souhaitent, participer à cette semaine du théâtre amateur avec ce que nous appelons des impromptus, c'est-à-dire des petites formes de 10 minutes. Et puis enfin, une participation individuelle cette fois, qui s'adresse aux interprètes, à participer à ce que nous appelons une folie théâtrale, mise en scène par Camille de la Guillonnière. Voilà, c'est un, comme son nom l'indique, une folie, puisqu'on commence à répéter le samedi matin pour jouer le dimanche après-midi. L'ambition de tous les organisateurs et de tous les acteurs culturels de l'agglomération du Choletais, c'est de célébrer cette pratique qui est très présente à la fois sur notre territoire mais aussi au niveau national, qui est souvent née d'une envie de vivre des expériences en commun, d'une envie de créer et d'offrir du plaisir aux spectateurs. Cette semaine aura lieu du 25 au 30 avril 2023. Il y a une première information aujourd'hui qui est diffusée sur le site cholet.fr et très concrètement, tout ce qui concerne les inscriptions et les informations très précises concernant l'organisation de la semaine seront accessibles sur ce même site à partir du début septembre.